Salut à tous, ici Total Did et bienvenue pour le cinquième épisode, il me semble, de Warhammer Battle Sector. Alors on va faire celle-là cette fois. Cet archiviste montre le moindre signe de chute dans la rage noire et sera à la responsabilité du Tech Machine de désarmer et de mettre en état de nuire le Drenov, ne pas le faire entraîner un malson de destruction imparable. Par contre, il faut que je revienne en arrière car il faut que je vois la gestion de mon armée, j'en suis où? 770 jusqu'à 1100. J'ai deux gros monstres comme ça, j'ai ça. Je pense que je vais rajouter un comme ça. Je peux en rajouter un comme ça. Ouais, je peux rajouter un véhicule. Terminé. Et on va poursuivre. Faut savoir que parfois je tente déjà de faire la partie avant pour voir à quoi ça ressemble. Et vraiment, c'est vraiment le genre de mission, on peut s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir. Enough poetics from you. Quindar needs direct access to that lensing array. We recalibrate it to focus his divinations, and then you'll find every disruption in the warp from here to the Angelicum. Ok. J'ai fait une grosse erreur au début. Là, on le voit pas, mais il y a ces créatures-là. Quand j'ai tenté de faire la partie. J'ai fait l'erreur de mettre des unités comme ça devant. Pourquoi c'est un problème? C'est que ça les one-shot. Il faut commencer. Voilà. Il faut commencer par mettre la grosse machine devant afin de faire une percée ici. Une partie de nos troupes là vont partir sur le... Mince. Une partie de nos troupes, mince, vont partir sur le côté afin de tout nettoyer et d'arriver par là. Vous voyez, on va faire un petit tour par là. Ensuite, 2-3 troupes vont rester ici afin de défendre les attaques ici pendant que le centre va passer au centre. Voilà. Évidemment, il y a des trucs d'uranium. Je sais même pas si on peut pas monter par là, évidemment. On va utiliser nos soldats qui peuvent bombarder là pour apporter des appuis. Eux vont rester là. Eux vont se répandre là. Voilà. Mince, plus d'unité ici. Ça, c'est méchant, par contre.
Victory for the Blood Blades. Victory for Skyfall. I sense the future adversary. We see the fire. Seigneur Dieu. Ça tire à travers les murs. Bon. Bon, attends. We are the lords of the assault doctrine. On va affaiblir eux là. C'est qu'ils sont puissants les bougres. The sanguinary priesthood serves the will of the chapter. Landspeeder crew awaiting orders. Lining up anti-swarm firing solution. Plasma fire support ready. Affirmative. Heavy fire support. Close combat support. I am the sword of Sanguinius. I go where I am needed. Roger that. Ready to strike. We are the sons of Sanguinius. I will never tire. On y va. Ouch. Allez, en moins. Il est pas mort. The
The blood waits. Bring me your broken and your unworn, and I will repair them anew. Ready to strike! Voilà. Je parle pas beaucoup parce que je suis en train de me concentrer là. Whatever the angel requires. Thin their numbers. They will not overwhelm us. Ah, petite portée. On peut tirer. Fin du tour, on a bien nettoyé la zone, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Aïe. Oh purée, faut pas que je reste ici là. Faut pas qu'ils restent ici, ils vont se faire massacrer eux. Oh oh. Non! Oh, il n'y a plus d'unité ennemie. C'est bizarre. Attends, tant qu'on y est, tenez, bon enfoiré là. Il y en a qui ont survécu. Dommage. When the day is darkest, we prevail through control. Ah! Ah!
Non. Oh oh, ils nous contournent, mais aussi sont empoisonnés. Je pense que eux, je vais les perdre. Ouais, mais putain, ils sont trop nombreux là, je peux rien faire. Allez. Ça va, ils sont un peu nombreux, mais ça va. On va fusionner nos armées ici, ça va le faire. Ok, il faut absolument que j'aille le soigner celui-là.
Allez. The blood of Sanguinius flows in my veins. Encore un coup. Voilà. To the sky, brothers. To the sky, brothers. Il faut esquiver tout ce qui est poison. Pas beaucoup de dégâts. Hein. Allez. Bouffez ça. Oui. J'ai utilisé sur eux. J'ai encore 3 tours à attendre. Eux, j'en ai plus. Là, pour l'instant, j'ai plus rien à attendre. D'accord. Il y en a, ils perdent vraiment beaucoup de vie. Hein. Bon allez. Toi tu viens là. Bam. Allez, t'en tues quelques-uns, allez. On va peut-être affaiblir le troupe où ils sont plus nombreux là. Très bien. Toi par contre, tu vas avancer le plus loin possible. On va commencer à approcher notre armée là-bas. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. On approche, on approche. Lui, dans deux tours, il sera là. Bon, je dis rien parce que je vous jure, je me concentre comme pas possible. Par contre, je vais aller soigner mon général. J'ai pas envie de le perdre. Allez. Il veut pas grimper, tant pis. Ah bah si. Voilà, un ennemi en moins. Oh purée merde, j'ai oublié celui-là. L'échec, je l'ai complètement zappé celui-là. Mais peut-être le soigner, lui. Tyranids, brothers, leave none of the Xenos filth alive. The librarian must complete his work. Battle line squad ready. We fight and we die for the Imperium. What needs fixing? Voilà. Squad ready.
speeder crew awaiting orders. Voilà. Comment voulez-vous que je fasse à ce niveau-là? Ils ont des portées de malade et one-shot mes troupes. Non mais c'est faut pas déconner non plus. Vous avez vu les dégâts qu'ils font? Parfait. Oh mais putain, mais non, mais... Non mais... Et je vous avoue, je sais pas trop comment faire, ils sont plus nombreux que moi, ils sont plus cheatés que moi, je vois... Ouais, bon. Vous avez vu les dégâts qu'ils font, vous avez vu le nombre qu'ils sont, je sais pas trop comment je peux faire là. Oui. My vengeance will be final. Roger that. Bring me your broken and your heart worn, and I will repair them anew. Target acquired. On va essayer de se débarrasser du plus de troupes possible là. Ah putain, il reste ces troupes là. Vous avez vu les dégâts que j'ai fait, moi? The blood of Sanguinius flows in my veins. Heavy fire support. Alors eux ils peuvent me toucher, mais eux ils peuvent m'atteindre, mais moi je peux pas leur tirer dessus, c'est quoi ce délire? Est-ce que s'il avance un peu plus, bon, si on peut abattre ces...
Bon. Autant affaiblir une unité d'un coup. Putain, même moi je peux pas leur tirer dessus là. Ce qui est un peu bizarre. Bon allez. Vous avez vu? Alors moi, de là où je suis, je peux pas les toucher, mais eux, à 50 km, ils peuvent me toucher et me faire perdre une quantité incroyable de vie. Ah mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Eh mais sérieux, là, c'est quoi ce cheatcode, là, qu'ils ont, là? Non mais... Franchement, si je la perds cette mission, je vais quand même poster la vidéo pour que peut-être qu'un gars qui s'y connaisse un peu mieux peut m'expliquer comment je peux faire à 25 contre 1 pour gagner. Hein. 25 contre des troupes qui sont 5 fois plus nombreuses que moi, qui ont des meilleures armes, qui empoisonnent, qui me font perdre de la vie même quand je les affronte pas. Faudra vraiment que quelqu'un m'explique. Hein, regardez, comment voulez-vous que je gagne? Déjà que leur monstre me fait perdre de la vie sans arrêt, comment voulez-vous que je fasse? Ouais, le problème c'est que là, s'il meurt, j'ai perdu lui. Si je fais ça. Bon, on va restaurer. On va charger. Non mais on est d'accord que c'est un peu impossible là. On est d'accord que c'est impossible. J'ai regardé des vidéos de... Parce que je me suis fait bouffer deux fois comme ça avant pour faire la vidéo. J'ai regardé des tutos sur YouTube. J'ai l'impression que le mec, il a pas autant d'ennemis. Je suis allé voir des mecs qui jouaient sur cette campagne. J'ai la sensation qu'ils n'affrontent pas autant d'ennemis que moi. Ah ouais, mais le problème, c'est que je suis bloqué, là. Et vous avez vu ce que moi, je leur fais perdre? Je leur fais perdre quasiment rien en vie. Non mais sérieux, mais tu les as un peu plus quoi. A sanguinary priesthood serves the will of the chapter. Of course. The blood is strong. Do not falter. Non, non mais. Plasma fire support ready. Engaging the enemy.
We are the lords of the assault doctrine. To the sky, brothers! It can only be victory. What needs fixing? On my way. We are the walls. We are the guns. Je sais pas comment je peux faire. Taking fire! Je comprends pas comment je peux faire, c'est impossible. C'est impossible, je peux pas gagner. Putain, j'ai dû... Je veux dire, 20 unités pour en détruire 2, là, je vois... On va essayer de...
à organiser ce petit monde, mais je vous jure, je vois pas comment faire. Voilà. Donc eux, ils vont me one-shot mes troupes. Ouais, mais je... Tire une deuxième fois, ils vont tuer mes troupes. Mais vous avez vu, ils me butent à des distances hallucinantes. Mais putain, mais ils sont combien? Mais comment vous que je fasse? Mais putain, mais... Mais... Je pense que... Bon, écoutez, je vais poster la vidéo, je vais arrêter Battle Sector là, ça sert strictement à rien. Je veux bien, je suis pas très fort aux jeux vidéo, mais là, je sais reconnaître qu'à un moment, un jeu vidéo, il y a eu trop de mises à jour et il est impossible. Là, je suis désolé, la mission, elle est impossible. Impossible. Là, j'ai regardé des let's play. Regardez, ça fait une heure que les mecs jouent. Ils sont 100 fois plus nombreux que moi, 100 fois plus puissants. Comment voulez-vous que je fasse? Mais regardez, là, ça doit faire 10 minutes que j'attends. Mais regardez. 20 unités restantes. Moi, dans mes souvenirs, le gars qui ont fait les vidéos... Il y a 2 ans, ils n'en avaient pas autant, ils devaient en avoir 10, tout ça. Là, le jeu, il est devenu craqué à mort. Et vous avez vu, regardez aussi ça, regardez. Parfois, des unités peuvent tirer 2 fois. Non, mais tu te fous de ma gueule! Mais regardez, mais c'est... Écoutez, je vais perdre. Je vais arrêter la vidéo. Et voilà, vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs unités. J'en ai tué aucune. Eux, ils sont 25. Ils m'empoisonnent. Je vais laisser mourir. Et je vais arrêter ma campagne là. Et s'il y a quelqu'un d'assez... qui connaît cet univers, qui saura m'expliquer comment faire pour gagner dans ces conditions-là, je suis preneur, hein, parce que bon, les mecs sont 100 fois plus nombreux que moi, sont mieux équipés, m'empoisonnent à chaque tour, moi, mes soldats sont complètement pourris, donc... je pense que, je vous jure, depuis que j'ai joué aux jeux vidéo, je suis tombé sur des missions très difficiles, et au bout d'un moment, je m'y lançais. Mais là, j'ai 27 ans, ça fait peut-être depuis que j'ai 15 ans que je joue aux jeux vidéo, je n'ai jamais ressenti cette sensation où vraiment, c'est impossible, comment voulez-vous que je fasse? J'ai essayé de gérer comme je peux, mais à l'arrivée, ils sont 150, ils me bourrent la gueule, je perds tout. Mais regardez, ils jouent 2 fois!
Mais ils tirent deux fois. Moi, j'ai des unités, ils peuvent tirer. Ils tirent une seule fois et ils loupent la moitié de leur tir. Eux, ils peuvent me flinguer à 3 km. Mais en plus, voilà. Bon, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et en plus, le gros, là, je peux plus l'utiliser, donc c'est chiant, quoi. Allez, c'est bon. Ça sert à rien. Donc on va arrêter la campagne là. Je vais arrêter mon let's play à ce niveau là. Ça sert strictement à rien. Je vais désinstaller ce jeu et puis voilà. Bon allez. Vraiment c'est un cadeau d'un ami. Mais là j'abandonne. C'est la... Je sais pas combien de fois je tente cette mission où c'est impossible pour moi. Donc j'arrête la campagne là. Ça m'arrive de rager, mais là de rage quitte comme ça, je vous jure, c'est la première fois. Donc j'espère quand même que mes quelques épisodes vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour d'autres jeux, mais pas celui-là, ça c'est certain. Au revoir.